Tu pourrais dire à mon pote Vincent où t'as caché ce qu'on cherche. Salut, c'est Kevin, sur la chaîne As Life Guy. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con. Que ce soir nous retrouverons bien sûr les deux clasheurs, les deux meilleurs clasheurs du monde. Pour l'instant, depuis la rentrée, Bonsoir, mes chéris. La nôtre rentrée, hein. Romano 2, Cédric 1, c'est le nombre de clashs. Ouais, j'en avais gagné 3 aussi. La semaine d'avant, c'était la fin de l'été, Romano, ça n'a pas d'accord. On était quand même là en direct, on était rentrés déjà. Oui, mais c'était c'était la pré-rentrée. La dernière semaine de vacances qu'on a fait. Ouais, donc, mais j'ai tout gagné. Donc, t'as déjà 2 à 1, c'est déjà pas mal. C'est bien, ça maintient du suspense. Mais ça ne me suffit pas, j'en veux encore. Si Cédric gagne aujourd'hui, ça ne va pas bien. Romano, ouais. Je compte sur vous. Ah non, il faut que je gagne ce soir. Bon, on y va pour le clash parce qu'Alice commence à se faire tard. Regardez, 22h39. Allez, vas-y. J'espère que les familles sont encore en forme. C'est parti pour Cédric et Romano, parti pour le rêve. C'est une soirée rêve ce soir. Ah, mais le rêve continue là. Oui. Cédric, ta méthode. Moi, je vais faire la méthode du Viagra. La méthode du Viagra. En fait, j'étais un petit peu malade, je me suis trompé. Au lieu de prendre un Efferalgan, j'ai pris un Viagra. Oui. Du coup, j'ai la bite toute dure et puis j'aimerais bien faire l'amour. Non, mais à un moment donné. C'est que Romano, il l'a fait là. Non, mais faut se dire les choses. Est-ce que tu comptes en fait cette année nous faire un best-of de l'année précédente de toutes les méthodes les meilleures? Bah non, mais ça va. Genre toi tu recycles jamais tes méthodes. Ah bah là aujourd'hui ça va être totalement nouveau. Non mais nouvelle saison, nouveauté Cédric. Je suis professeur moi. Ah, t'es professeur de quoi? On l'a déjà fait ça. La rentrée, tout ça. Laisse finir. Les professeurs de quoi? Bah, la rentrée, on l'a fait tous les ans. Oui, bah, la rentrée, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, bah, c'est parti. Pas d'autre faute. Alors, t'as méthode. Alors, moi, je suis professeur. Là, j'ai eu ma première journée. Pour lui, c'est normal. Journée de cours aujourd'hui. Les élèves m'ont stressé. J'aimerais bien me faire sucer pour me détendre avant ma prochaine journée. La méthode du prof qui fait sucer, elle n'a jamais été faite. Bah, moi, je fais la méthode de l'élève qui est stressé. Bah, demain, je fais ma rentrée. Et puis, j'aimerais bien déstresser ce soir, en fait. Non, mais ça, c'est la copie de Romano. Mais c'est différent, mec. Allez, on y va pour le clash. C'est totalement différent. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Voilà, et avec les meilleures familles du monde. Cédric, donc méthode Viagra, ouais. Romano, méthode prof stressé. Et vous êtes filmé, les filles. Et vous êtes filmé en plus. Sur Insta Live. Ah bah c'est la folie. Et sur Snap. Oh, et bah sur Snap. Oh, Snap et Insta Live, ça filme. Alors, on va chez qui? Et sur Skyrock, sur le grand réseau. Et on va chez Italie. Dominique. Allez, c'est parti chez Dominique. Dominique pour Cédric. Allez, Domi. Oh, ça rime. Vous êtes fait pour vivre ensemble. Ouais. Peut-être qu'il décroche, Dominique. Déjà, ouais. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Dommage. Alors, est-ce que ce soir, on met la règle en place et si ça ne décroche pas trois fois à la suite, on passe à l'autre? C'est deux ou trois? Non, j'ai oublié de vous dire trois fois. Trois fois. Trois fois à la suite, trois appels, trois pas de décrochage, on passe à l'autre. T'en es déjà à deux, là. Putain. Attends, mais... C'est la deuxième qui sonne, quoi. Va peut-être répondre. Ouais. Je sais pas, je la sens pas. Là. On va chez qui, là? On va chez Jean-Louis. Chez Jean-Louis. Ah, allô c'est... Allô, bonsoir. Ouais, Jean-Louis. Oui, qui c'est? Oula, tu t'es endormi ou quoi? J'étais couché. Ah, ok, d'accord. Je t'appelle parce que la soirée, je voulais passer à la maison. Mais qui c'est, là? Ben, je m'appelle Michel. Tu m'entends? Non. Ouais. Non mais je t'appelle parce que j'ai une petite galère là, je me suis trompé, je voulais prendre un Nurofen et j'ai avalé un Viagra, donc du coup j'ai les zizi tout dur. Alors, c'est pas une connerie. Voilà, c'était une magnifique tentative de Cédric, malheureusement, il est voué à l'échec. Non, mais lui, c'est quoi la voix du mec, mais il avait une couverture sur le bonjour. T'as l'impression que c'est un mec, tu sais, qui est en haut. Non, mais c'est ça. Oui, bonjour. C'est Jean-Louis. Allô c'est là, on passe à Romano, du cas. Jean-Paul. Ouais, Jean-Paul. Oui. Ouais, comment tu vas? Ça va, nickel, ta petite femme. Oui, c'est qui est au téléphone? Là, c'est Jean-Louis, le professeur. Là, ça y est, j'ai fait ma rentrée aujourd'hui, là. Jean-Louis, le professeur. Ouais, je connais un peu ta femme. Et les élèves, ils m'ont stressé aujourd'hui. Ouh là 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 là. D'Ivoire, ta femme, elle est là ce soir? Oui. Ouais, parce que là, vu que je suis tellement stressé, ça lui dirait pas de me la sucer un peu? Non mais c'est complètement taré, mon beau vieux. Non mais je vais arriver dans 5 minutes là. Ouais, ben viens un peu, trop du cul. Oh. Je viens, ouais bah ok. Viens un peu, trop du cul. C'est pas un serrage, mais c'est une invitation. Et en plus, il a trouvé un petit surnom. Il était vraiment sympa. Viens. Non mais en plus, t'étais sérieux, le mec, il croyait vraiment à la conversation. Et là, tu lui dis, tu veux pas, qu'elle me suce? Forcément, ça surprend. Bon ben, en tout cas, je suis invité. Pas de rappel. Non. Bah, on passe au deuxième tour, Cédric. Tu rigoles. Allez, vas-y. Comme un benet. Un benet. Mais je suis désolé, le mec a dit que je pouvais venir. Ouais. Et oui. Et toi, t'as fait quoi, mec? Bah, moi, j'ai parlé avec Jean-Louis. Du caca, t'as fait du caca. Non, j'ai parlé avec Jean-Louis. T'as fait du gros caca. Mais ta gueule. J'adore. Le caca, c'est bon. Voilà. Ce que j'avais à dire. Bah, allez, on va chez qui? Moi, ça me convient. Allô? Pascal. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, c'est la femme de Pascal ? Oui. Oui, bonsoir, est-ce que Pascal est là, s'il te plaît, ma belle ? Oui, mais c'est qui ? C'est de la part de Michel. Michel qui ? Michel Zizi tout dur. Oh. Allô ? Ouais, alors les blagues de CM2, les blagues de CM2, Cédric, je sais bien que c'est la rentrée, mais alors, comment tu t'appelles? Michel Zizi tout dur. Si jamais tu fais la rappelle. Vas-y, rappelle. Ça, ça vole haut, hein, quand même. Rappelle-la. Franchement, tu mets mal à l'aise. Ah, tu fais. Je sais pas, j'avais pas d'inspiration. Michel Zizi tout dur. Juste pour ça, moi, 10%, je dis. Mais ta gueule, toi. On la rappelle. C'est, je suis pas sûr qu'elle réponde. Cacaboudin. Oh non, je m'appelle Cédric Cacaboudin. Toi. Tu peux te calmer. Tu t'encules ? Alors ferme ta gueule. C'est d'enculer une famille parce que pour le moment. Putain, vas-y, j'ai déconné. Je fais pas grand chose. Vas-y, passe-moi une famille s'il te plaît. Mais Cédric, pourquoi tu lui as dit je m'appelle Michel ? Je sais pas. Le mec, je sais pas, c'est lui ça. Ah, mais c'est le Viagra, ça m'a fait penser à ça. Non, t'as teubé, mec. Michel Zizi tout dur. Vas-y, passe-moi une autre famille, j'ai déconné. Non, on fera un troisième tour si tu veux. Bah, vas-y, putain. Allez, Romano. Tant pis pour toi, t'as qu'à pas. Vas-y, alors raccroche direct. Bah oui, c'est en même temps, t'as un mongol qui te dit. Fermez vos cœurs. Zizi, caca, boudin, tu dis. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi. Romano, à toi. On appelle. On appelle Michael. Michael. C'est parti chez Michael. Vas-y. Tu vas t'appeler comment, toi ? Non, mais moi je vais rester classique. Allô ? Excuse-moi, c'est moi qui ai parlé. Ouais. Alors ? Non, mais il n'a pas parlé. Il aurait dit allô, c'était niqué quand même. Ah oui. Alors, Romano, à toi. Qui c'est qu'on appelle ? Chez Cédric. Ah, putain. Cédric. Mais Cédric, Cédric Zizi tout dur ou un autre ? Non, c'est un autre. Un mec normal. Il n'y a pas un autre mec. Cédric, ça, je le sens pas. Bah, écoute, t'as pas le choix, c'est au hasard. On prend, on tire au sort. Voilà. Non, mais c'est pas Cédric Zizi tout dur parce que c'est moi. Non. Et ton téléphone, il sonne pas, donc ce n'est pas toi, Cédric. Non, c'est pas moi, non. Bonjour. Dernier. Attention, Romano. Ça décroche pas, c'est peut-être. Ça décroche pas, on passe au troisième tour et ce sera le tour de Cédric. C'est pas mal finalement ce truc. Allô ? Ouais, allô ? Oui. Comment ça va ? C'est qui ? C'est toi, c'est Mickaël ? Oui. Oui, moi c'est Jean-Louis là, je suis professeur. Et ça y est là, j'ai fait ma rentrée scolaire aujourd'hui là. Mais c'est quoi ce délire ? Bah je connais un peu ta femme. Allô ? Non, mais... Elle est là ou pas ? Et c'est qui là exactement ? Moi c'est Jean-Louis David, je suis professeur là au collège. Et en fait aujourd'hui j'ai fait ma rentrée là, ils m'ont stressé les élèves. J'aurais besoin de me détendre là. Ta femme elle serait pas dispo 5-10 minutes histoire de me la pépon. Allô ? Non mais c'est quoi ce délire là ? Bah là ça serait que ta femme en fait elle me fasse une petite gâterie quoi. Pour me détendre. Non mais ça te fait rire les conneries là ? Bah là je vais arriver dans 5 minutes moi hein, parce que... La vraie ouais, dire, y a pas de soucis, ouais. Bah, parce que je suis déjà sur le chemin, du coup, moi. Ah bon ? Ouais, ouais. Donc, je vais venir, elle me la suce, et puis bon, toi, la limite, je t'encule. Non, mais t'es un fou, toi. Complètement. Je suis fou de ton corps et de ton anus. Je vais arriver dans 5 minutes. Et je crois qu'on va bien s'amuser, tous les trois. Pauvre Véro. Léro. À tout de suite. Va te faire enculer, petit. Mais je viens ou pas ? Moi, j'arrive, hein. Vas-y, dégage. Non, tu m'as dit de venir, je viens maintenant. Je ne peux pas faire demi-tour. Ouais, il a dit dégage. J'arrive dans 5 minutes. Ça te fait rire. Non, mais j'arrive dans 5 minutes et on s'en va en l'air, tranquille. C'est pour me détendre ma journée. Je travaille pour tes enfants, hein. Je travaille à l'éducation nationale. Ah ouais ? Ouais, donc moi j'éduque les gosses. Le soir, il faut que je me détende la queue, quoi. Ah bon ? Donc je vais me la détendre avec ta femme. Ah bah, y a pas de soucis. Eh bah voilà, bah j'arrive alors. À tout de suite. Ouais. Eh, hey, c'est dingue. Je suis là dans 5 minutes. Au début, je me suis dit, ça y est, il serre. Après, ah, ça y est, il se fait recale. Et après, et alors, il resserre. Je resserre. Ça fait limite un double serrage en avant. T'as vite raccroché, je trouve, moi. C'est pas mal. Deuxième tour est fini. Putain. On passe au troisième tour, Cédric. Allez, vas-y. Ah, on est qu'au deuxième. Eh ouais, n'est qu'au deuxième. T'es que deux appels. C'est pas fini. Tout peut arriver. Cédric peut nous faire un serrage de ouf, là, maintenant, tout de suite. Putain. Avec sa super méthode. Du Viagra. C'est ça. C'est Arnaud. Arnaud pour Cédric. Allô, bonsoir, je suis bien chez Arnaud ? Oui, bonsoir. Ouais, est-ce qu'Arnaud est là, s'il te plaît, ma belle ? Oui, c'est de la part de... C'est de la part de Michel. Qui était mort. Merci. Voilà. Ouais, Arnaud, ça va ?
Ouais, c'est qui? Ouais, nickel, c'est Michel. Je voyais que ta femme, là, je voulais passer à la maison. Elle m'a dit de venir, là, parce que j'ai un problème, là. Je me suis trompé, oui, d'avaler un Nurofen. J'ai avalé un Viagra. Donc, du coup, j'ai les idées tout dures, et puis, ben, je vais venir faire l'amour à ta femme. C'est pour me dépanner, hein. Allô? Et voilà. Oh, putain. Et voilà. Alors là, je pose la question, Romano. C'est assez violent. Est-ce que tu veux faire ton troisième tour? C'est violent, hein. Radical. Vas-y, rappelle-le. Tu fais ton troisième tour ou pas? Un rappel. S'il y a un appel en stock. Ah non, je peux pas avoir de rappel, moi. Bah, pourquoi tu veux un rappel? Bah, pour le rappeler, t'es con. Mais y a pas eu de rappel pour l'instant. Non, alors, on s'en fout. T'en veux un? Bah oui. Bon, bah, si tu veux, vas-y, rappel pour Cédric. Juste pour lui faire plaisir et après, on passe au. Bah, donc, du coup, moi, j'aurai un appel plus un rappel. Du coup, t'auras un appel plus un rappel. T'es pas con, toi. Et bah ouais, parce que j'ai compté. Putain, il est intelligent. Oh là, moi je suis Michel Zizi. C'est son beau petit nom. Arnaud, ça a coupé. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en panique, mon pote, ou quoi? Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, je t'ai dit, je voulais venir à la maison faire l'amour à ta femme. T'en reviens? Elle, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Bien. Ça te dérange pas? T'es pas jaloux? Non, pas de problème. Bon, bah nickel, tu dis de préparer ses petites fesses. Et puis, bah, je vais m'occuper d'elle ce soir, d'accord? Eh, c'est vraiment pour me dépanner, hein, parce que je t'ai dit, là, l'histoire du Viagra, là, ça m'a niqué, là. Ça parlera de ta famille, parce que d'habitude, vous enculez les autres, non? J'ai pas compris, t'as dit quoi? Ça parlera de ta famille, parce que d'habitude, vous enculez les autres, non? C'est ça, ouais, t'as tout compris. Ah bon, c'est mais là, ce soir, je vais m'occuper de ta femme, je vais l'enculer, puis après, je vais t'enculer toi aussi. Parce que je crois que tu cherches un petit peu, là, mec. C'est donc, tu vas la prendre dans l'anus et tu vas la sentir, je te le dis. S'embrouiller, je le sens, il va s'embrouiller. Ok? Bon, ben, je suis là dans 5 minutes, lave-toi les fesses, d'accord, mon chéri? Bisous, mon amour, à tout de suite. Voilà, à bravo, Cédric, mais tu nous as fait une révélation ce soir. Hein. Ouais, mais une révélation, mais sale encore. Non, non, mais la famille, parlez de vous, mes potes, quoi. Non, non, c'est la famille. Non, ta famille. Parce que la famille, en non, c'est cas, pas moi possible. Moi, personnellement, non. Si, on va s'occuper. Moi non plus, je ne suis pas de ta famille. C'est Arnaud qui l'a dit. Non, non, mais. Tu t'appelles Romano Zizi. Ah, non. Bon, tu peux dire quand même qu'il y a un serrage. Il y a un serrage, et ça, ça fait plaisir. Ah ouais, putain, ça fait plaisir. Ça relance le clash, Romano ayant déjà serré, c'est bien. Et une invitation au premier coup de fil. Ah oui, t'as serré plus une invite. Eh ouais. Bon, dernier tour, et après, on vote. J'ai résultat de notre sondage, vous voulez rentrer dans Secret Story ou pas? Allô? Dimitri. Dimitri! Allô? Ouais, c'est la copine de Dimitri? Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que Dimitri serait dans le coin, là? Bah oui, mais je vais pas vous le passer. Nananer. Ah bah tu es. C'est bien? Et pourquoi donc, ma grande? Je ne sais pas. Nananer, cacaboutin. J'ai tout dur. Bon là. C'est ça. Non, mais passe-le moi, sérieux. Non, c'est sérieux. Là. Ah, ouais. Ah, bah, dites-moi. Non, mais c'est par rapport au boulot, là. Demande-lui à elle, hein. Ouais, sinon, donc, c'est pas. Il travaille où? Il travaille où? Non, non, mais par rapport à mon boulot à moi. En fait, est-ce que je t'explique? Moi, je suis professeur. Là, j'ai fait ma rentrée scolaire aujourd'hui. Je voulais en parler un peu avec lui, tranquille. Et puis là, j'avais besoin de me détendre, donc toi c'est et pas une radio, quelque chose comme ça, parce que j'entends du bruit là, non? Ah non, moi je suis tout seul là chez moi là. Et je voulais. Oui, c'est ça. Bah je voulais passer à la maison là du coup. Mm-hmm. Bah ouais, comme ça. Et, il est pas là peut-être. Parce que s'il est pas là, on sera mieux tous il les dort. Deux. Ah bah voilà, bah pendant qu'il dort, on peut faire l'amour tous les deux. Voilà. Non, voilà. Non. Bon, là, je crois que c'était rappel, un peu trop tôt. T'as rappel. Vas-y, rappel, ouais. Pff, je tente tout pour le tout. Ouais, bon. Avec un peu de chance. Ça servira à rien, là. Avec un peu de chance, c'est lui qui répond et bah, c'est ce que j'espère. Le mec t'insulte et vient de casser la gueule. Peut-être. Ça, c'est si t'as de la chance. C'est ta chance, ouais. Si t'as pas de chance, ça répond pas. On va voir. Je croise les doigts. Ouais, mais ou alors, c'est elle. Elle, c'est un pitbull. Elle surveille le téléphone. Je passe pas. Non. Elle a ni la nerf. Elle s'est marronnée. Attention. Je crois que t'as niqué un rappel, mec. Bah, attention, il fallait que je le dernier, ouais, de toute façon, c'est dans les tours. Tu comprends définitivement rien. Non, c'est pas obligé. Bah, de toute façon, je peux pas le garder. Bonjour. Vous êtes en relation avec un répondeur T. Bon, bah, tant pis. Et on finit par le répondeur, mais maintenant, c'est à vous de jouer, vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Eh bien, maintenant, c'est maintenant qu'il faut voter Romano, R-O-M-A-N-O. Ou Romano. Non, ou Cédric. Ou Cédric. D'ailleurs, il coupe ton micro depuis tout à l'heure, cette espèce de salope. Autrement, il y a plus de match. Mets ton micro. Non, mais il l'a coupé, il a fait. Pourquoi t'es dans l'agressivité? Parce que tu m'énerves. Moi, premier coup de fil, une invitation. Deuxième coup de fil, magnifique serrage. Ah, mytho, t'as mis ça. Et le troisième, c'était le troisième. Il y en a eu trois. Il a eu trois parce que Cédric était en galère, il a fallu en mettre un troisième. Bah, bien sûr, alors il n'en voulait même pas. Eh bien, votez Romano, mes amours, R-O-M-A-N-O. Faites pas ça. Alors pour toi, Cédric, pour résumer, premier coup de fil. Bah, c'était le tour de chauffe. Deuxième coup de fil. Bah, j'ai parlé c'était à Pascal. Encore un tour de chauffe. Non, j'ai parlé à Pascal. Oui, et troisième coup de fil, j'ai serré Arnaud. Arnaud, moi, j'ai fini en beauté.
en apothéose, on peut dire ça. Ce soir, Romano. Avec la famille. Eh, tu commences à m'énerver à faire ça, gros. Je vais faire le tour, je vais t'en coller une. Mais t'arrives même plus à te déplacer. Votez Cédric. Ah ouais, attends, je vais te montrer. Voilà. Votez Cédric ce soir, c'est eux derrière ici, la famille. Je compte sur vous tous et vous toutes. Je vous aime très très fort. Allez. On peut le baiser. C'est parti. Pas nous. Vous votez. Vous avez 5 minutes. Bah, tiens, on va vous laisser jusqu'à la fin de Rihanna. On va écouter One, two, three, four. Bon, alors, pour la suite, résultat du clash de la drague. Allez, on passe aux choses sérieuses. Bon, je te sens moins stressé que vendredi dernier ou mercredi. Mais mercredi, t'avais raison d'être stressé, tu t'es fait baiser par Cédric. C'est vrai. Mais je dirais, tu sais, j'ajouterais même quelque chose. Oui, vas-y, rajoute. C'est même pas Cédric qui m'a baisé, c'est la famille qui l'a eu. Celui qu'on a écouté, Stéphane, là. Alors, ouais, c'est moi qui t'ai aidé, ça. Ouais. Stéphane et sa femme qui beuglaient derrière. Bravo, Stéphane. On vous l'a remis tout à l'heure, d'ailleurs, hein, si vous étiez là. C'est le Stéphane qu'on a passé tout à l'heure. Vous savez, le Roumain. Ouais, ouais. Ben, je suis roumain, moi. Avec la serpette. Ouais. Attends. Celui qui voulait baiser l'ensemble de la famille de Cédric. Attends, j'ai pas vu, remonte-moi la feuille. Non, on va mettre Nino. Ah, Nino. Parce que j'aime bien Nino, il va venir nous voir dans la radio, les Nino. Ouais. Je dois rapper avec lui. Vendredi, il est venu nous faire un petit coucou dans l'émission avec Alonso. Et il nous a promis qu'il reviendrait. Et à vrai dire, on a eu un coup de foudre artistique entre lui et moi. Nino, on va l'écouter avec Mamacita. Mamacita. Résultat du clash. Romano, tu sais, quand on est confiant, parfois on est déçu. Je te le dis comme ça, ça peut arriver. Ah ouais? Bah, Cédric, vendredi, t'étais confiant, t'es fait baiser. Ouais, mais vendredi. Ouais, putain, ouais. Ouais, baiser. Putain. Le gagnant du clash de la drague est. Hey. Tu sais, ça me ferait quand même chier que ça soit lui, quoi, tu vois. De toute façon, quoi qu'il se passe, quand je gagne, ça te fait chier. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'as raison, Cédric. Parce que toi, t'aimes perdre. Non, j'aime pas perdre, non. Le gagnant du clash de la drague est. Alors. Romano. Ou Cédric? C'est la question que vous vous posez tous et toutes. Il s'agit de... Oh là là, Romano qui a gagné le clash comme lundi dernier. Lundi, c'est peut-être un jour faste pour toi. Victoire de Romano. Combien tu veux faire? Plus de 60. 64, ça te va? Ça me va, très bien, merci. Ouais. 64% pour Romano. Ah, j'étais bien, Ken. Je crois qu'il faisait une blague, il a dit quoi? J'étais bien, Ken. Je crois qu'il faisait une blague, il a dit que j'allais gagner. Ah, j'étais bien niqué. Ah, il va être lourd, il va me faire chier l'autre. Ah, merci en tout cas à toute la team Romano. Merci à la team. Merci à toute la team Romano. Moi, je remercie aussi la team Cédric. Merci. Je remercie également la team Lebelge qui commence à déserter. Non, non, il déserte. Et qui rejoint la team Romano. Merci à tous les nouveaux arrivants dans la team Romano. Vous êtes bienvenue, l'entrée est gratuite. Bah, chez moi aussi, c'est gratuit. Merci, c'est gratuit. Je vous aime. 64% pour démarrer la semaine, c'est pas mal. Cédric, il va falloir remonter le. Ouais, ma team, on va se motiver. Remonter la pente. Et ça fait 3 à 1. Oui, depuis lundi dernier. Ah, c'est ça, ouais. Entrée officielle de Skyrock. Les 3 autres d'avant, je les compte pas, sinon ça ferait déjà 6 à 1, t'imagines? Non, c'est que 3 à 1. Non, c'est 3 à 1. 3 à 1. Et mercredi, ça fera peut-être 3-2 si Cédric gagne. Ah, j'espère, putain. Bonne chance pour mercredi, pas, Cédric. Là, on peut revenir à match nul, hein, si je gagne les deux autres. Exactement. Cette semaine va être, ça va être une grande semaine, je le sens. Loupez pas les rencarts, là. Bon, et là, on va pas...